au nom du Seigneur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai demandé au pasteur que je commence bien avant parce que j'ai trop à dire aujourd'hui. Je bénis la présence de tout et chacun de nous. Et je veux que le message de ce soir soit réellement un remède et un institut du Seigneur pour tout et chacun de nous. Nous prenons Apocalypse chapitre 17 rapidement. Apocalypse chapitre 17, nous allons lire les versets 4 jusqu'au 6e verset. Allons-y. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures.